Rotamız Gazze limanı. Rotamızı değiştirmeyeceğiz. Kurtlar Valdisi Filistine, autrement dit la vallée des loups, la Palestine, raconte l'histoire d'une équipe spéciale formée par les Turcs venant venger 11 Turcs tués sur un bateau d'aide humanitaire. Cela rappelle une histoire vraie, celle de l'épopée du Mavi Marmara en mai dernier. Le film qui sort en Turquie a été réalisé par Zuber Sasmaz et il a été critiqué pour son aspect revanchard. Ce n'est pas une histoire sur un Rambo qui va là-bas pour se venger. Nous essayons plutôt de montrer au monde ce que vivent les Palestiniens et les Israéliens tous les jours. Le film est un dérivé d'une série télévisée turque du même nom, série qui a provoqué un incident diplomatique entre Israël et la Turquie. L'acteur principal est le frère du réalisateur. Bien sûr, nous racontons l'histoire du Mavi Marmara dans ce film. Mais nous mettons aussi l'accent sur les cruautés et l'injustice qui, depuis plus de 50 ans, ont lieu dans cette région. Nous voulons éveiller les consciences et nous le faisons avec leurs armes. Tout le monde sait que le peuple qui vit dans cette région domine les médias. Medya üzerindeki hakimiyetini bilmeyen yoktur dünyada. Kendi silahlarıyla yaptığımız için belki de bunu söylüyor olabilirler. Dans la même série, le film La Vallée des Loups, l'Irak, qui lui critiquait les opérations américaines en Irak, avait été un succès avec 4 millions de spectateurs.